Bonjour à tous et à toutes, c'est Raptor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure sur Pokémon Platine. Et dans le premier épisode, j'avais oublié de préciser un truc. En fait, les épisodes de 25 à 30 minutes, je trouve que c'est long. Donc on va faire des épisodes de 20 minutes, comme ça il y aura plus d'épisodes et tout le monde sera content. Donc, la dernière fois, nous nous sommes laissés ici, au lac. Parce que y a notre ami Erwan qui est arrivé et qui a voulu aller prendre le Pokémon légendaire. On sait pas pourquoi, mais il a voulu aller le prendre. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Pokéball. Donc c'est parti. Donc, on va aller prendre ce qu'il faut pour aller choper ce follet. Donc, pour moi, c'est un clé follet. Notre premier combat, c'était Erwan. Mais notre premier Pokémon sauvage, c'est un Kyonotor niveau 2. Nous avons Wistikram level 6, donc c'est parti, on va aller sur Glyph. Wistikram utilise Glyph. C'est parti. Il n'est pas très très compliqué, en deux coups on le bat. J'espère que ça va bien pour vous. Moi ça va très très bien. Alors, voilà. Tout simplement. Voilà que Notor sauvage est KO. Je reçois 16 points d'XP. Ce qui est pas mal. On va avancer pour l'instant, je pense qu'on va avancer. Alors. J'aimerais juste savoir un truc. Conseil au dresseur, ne soyez pas timide, parlez à tous les gens que vous voyez. Vous obtiendrez peut-être des infos et des conseils utiles. Génial. Mais comme j'ai jamais fait ce jeu, c'était pour un mauvais état, c'est dire son PV sont bas, rentre chez toi, te coucher. Ou tu vas aller voir l'infirmière sexy et tu vas lui demander peux-tu soigner mes Pokémon. Je veux savoir lui si c'est un dresseur. Donc, on a encore que Notor. Notor level 3 cette fois, bon bah je sais pas la team que je vais me faire encore, j'essaie de chercher un peu la team que je vais me faire à la fin. Ma team sera quand même pas mal puissante, parce que comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, tous les légendaires on va les attraper. Quel que soit, donc bien sûr je me renseignerai bien avant. Comme ça, je sais bien de la manière qu'il faut faire. Voilà. Je prends un Pokémon qui a fauchage. Ok, il est mort. 24 points. Ah, level 7. Bon, c'est pas mal. Wistikram passe level 7, c'est pas mal. Ah, ça c'est bien Flamèche. Es-tu un dresseur jeune? Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon, savez-vous que... Ouais, ok, bon, on connaît. Je pense que tous ceux qui sont là sur cette série savent ce que c'est Pokémon. Ah. Génial. Petite potion, première potion. Donc c'est de l'or à la poche. Merde. Mince, je suis désolé. On va faire les combats, on va pas les éviter, ça sert à rien. Donc on va aller voir le professeur. Donc déjà le professeur, je savais pas s'il était à droite ou à gauche. Et déjà Flamèche, ça va bien nous aider. Ouais, ça le touche. Alors que le glyph, il fallait le faire 4 fois. On va faire un petit Flamèche. Donc déjà, quoi qu'il arrive, il faut qu'on prenne un type électrique. Parce que notre ami Erwan qui a type louf, va falloir prendre un type électrique ou un type plante. Ok, c'est bon. On a ce qu'il faut. Donc on a Aurore qui vient nous parler. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Accompagne-moi. Nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Boum. Ah bah, il me tape encore. Il le fait tout le temps. Mais que... Oh, c'est toi, Raptor. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Bah, ce n'est pas grave, Raptor. Je m'en vais, à plus. Va-t'en. C'était quoi, ça? T'en aimais vraiment l'air impatient. Bon, enfin, entrons. Eh bien, regardez qui voilà. Raptor, c'est bien ça. Jetons un coup d'œil à ton Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a l'air plutôt heureux. On dirait que je ne suis pas trompé en te confiant ce Wistikram. Eh bien, qu'attends-tu pour lui donner un nom? Non.
La première fois que je vous ai vu, prêt à aller dans les hautes herbes, sans Pokémon, j'ai été abasourdi par tant de témérité. Et je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Je me sens honoré de te connaître et je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je me demande, prends bien soin de ton Wistikram. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, oh, enfin, je, oh, je peux même pas le dire. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais déjà, je m'appelle Sorbier, j'étudie les Pokémon, je cherche à savoir quelle sorte de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données et les Pokémon de Sinnoh? Oui. Bien. Répondu. Bien répondu. Ok, petit Pokédex. Ce Pokédex est un appareil de la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années, encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand. Donc. Les gens, je suis désolé pour cette coupure inédite. Mais voilà, je suis de retour, donc on va reprendre où on était. Aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela veut dire qu'il y en a tout autant qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route, Raptor, ta grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Tortipousse. Si tu avais choisi Tortipousse sur la route 201, nous aurions le même Pokémon. Ce n'est pas très important, mais bon, bref, mon nom est Aurore. J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Or, en un sens, je suis comme toi. Ouais, t'es une dresseuse. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serai enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Raptor. Merci. Alors, mesdames et messieurs, j'ai un truc à vous dire. C'est par rapport aux célibataires en haut. C'est des pubs, je peux rien y faire, je ne peux rien changer au montage ni rien. Je suis désolé, je peux rien y faire aux pubs. Ah, Raptor! Pourquoi elle gueule? J'ai quelque chose d'utile pour toi, prends. La CT27. C'est quoi la CT27? C'est une capsule thermique qu'elle contient la capacité retour. Okay. Les capsules techniques ou CT te permettent d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Cela dit, elles ne sont utilisables qu'une fois. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié que ton Pokémon a pour toi. À toi de décider si tu veux l'utiliser ou non. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Waouh, j'ignorais que la professeure avait des CT. Était-il dresseur quand elle était jeune? Ouais, je pense, ouais. Ok, Raptor, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur et assistant du professeur. Suis-moi. Ok, alors comme je disais, le truc en haut, c'est pour rémunérer l'application. Je peux rien y faire. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est le centre Pokémon. C'est un endroit où on peut soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Le bâtiment avec le toit bleu que tu vois ici est la boutique Pokémon. C'est un magasin où tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins. Raptor, puisque tu débutes comme dresseur, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne t'en préoccupe pas. Oh, c'est vrai, j'ai oublié, Raptor. Il faudrait que tu préviennes ta famille que tu as aidé le professeur Sorbier avec le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin alors que tu devrais prévenir quelqu'un. Oh, mais avant de partir, soigne ton Pokémon au centre Pokémon. Ce sera beaucoup moins risqué ainsi. Ouais, ok, au revoir. Je suis obligé d'aller prévenir mes parents. Bon, je vais soigner mon Pokémon, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le soigner. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, ouais, soigne mes Pokémon, s'il te plaît. J'en ai qu'un. Donc,
Merci d'avoir attendu vos Pokémon, ils sont en super forme maintenant. Une prochaine fois peut-être. Merci, à une prochaine fois. Donc, il a été soigné. J'ai pas de Pokéball, mais je pense que je vais en avoir un petit peu après, non? Ah, elle va me bloquer la route. Raptor, as-tu prévenu ta famille qui tu es dès le professeur? Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Je sais que tu beurs d'envie de voir toutes sortes de Pokémon, mais ta mère va croire que tu as disparu. Ok, donc je suis obligé d'aller voir ma mère. Ok. Bah, c'est parti, hein, ou autant aller la voir. Hein. Bon, mesdames et messieurs, je suis en route pour aller voir ma mère. Je tombe sur un étourny. Et l'étourny, je voulais le capturer. Mais sauf que... Ball, j'en ai pas. J'ai pas de ball, ça me fait mal, mais je pense que je vais devoir le tuer. Alors que les tourmis, ça aurait été bien quand même de l'avoir dans son équipe. Bon, go aller voir sa mère. Nous y sommes. Bonjour Raptor, tu es en forme? Repose-toi un peu mon chou. Quoi? Quoi de neuf Raptor? C'est une mission de premier rang que t'as confié le professeur Sorbier. Fonce mon chou, ta maman est de tout cœur avec toi. Oh, je sais Raptor. Quelque chose qui pourrait être utile. Ouais, mon journal d'aventure. C'est un journal qui enregistre les événements quotidiens. Consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait ces derniers temps. Pichou, en vrai, j'ai plein d'aventures, j'ai envie mon petit chou. En plus, t'es Pokémon de t'accompagne. J'espère pouvoir. J'espère que tu vas en prendre soin. Je plaisante mon chou. Moi, ouais, Raptor, je vais me débrouiller tout seul. Pars et profite de ton aventure. Que tu découvres de nouvelles choses et de nouvelles sensations. Me rendre heureuse, moi aussi. Mais de temps en temps. J'aimerais voir les Pokémon que tu auras attrapés, mon chou. C'est qui? Ah, c'est la mère d'Erwan. Excuse-moi, mon petit Erwan est-il ici? Oh, il n'est pas là. Oh, alors il a déjà dû partir, que faire? Mon garçon m'a crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité. Il si têtu et téméraire, je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Raptor va lui apporter. N'est-ce pas, Raptor? Vraiment, tu ferais ça pour moi? Apporte ça à Erwan pour moi, s'il te plaît. Un colis. Ok. Au revoir, Raptor. Profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaissant mon petit, il ira sûrement directement à la félicité. Ok, apporte ceci à Erwan, s'il te plaît. Ça marche. Ça marche, madame. Bon, ben. Mesdames et messieurs. En route pour. Et pour réaller où on était. Donc, nous y voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. J'ai prévenu ma mère, tout. Oh, oui. Je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors, regarde, ok. C'est parti. Montre-nous comment attraper un Pokémon. Un Kunotor. Alors, bah, je peux rien faire pour l'instant. Excusez-moi. Ok. Et je pense qu'un jour on va l'affronter. Donc elle est obligée de le capturer. C'est complètement obligé. Donc, elle attrape le Pokémon. Ça, c'est obligé. Elle avait un Pokémon la pute. Moi, j'en ai genre. Donc. Alors. C'est bien d'attraper qu'une auto. C'est très très bien. Ici, tu vois, c'est facile. En fait, il vaut mieux faire baisser les PV de ta cible plus que je ne l'ai fait. Il est essentiel de baisser les PV du Pokémon le plus possible. Pokémon en pleine santé est très difficile à attraper. Oh, il est aussi plus facile de les attraper en utilisant une capacité pour les endormir, par exemple. Ok, Raptor, pour t'aider au départ, je te donne 5 Pokéballs. Merci. Pour les longs voyages, il est plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon sur toi. En plus, c'est bien plus amusant de voyager avec tes amis Pokémon. Ok, il faut que j'aille. À bientôt.
À bientôt, mademoiselle. À bientôt, Aurore. Donc, si on voit un étourmis, mesdames et messieurs, on va l'attraper. On va le capturer. Ah, parfait. C'est totalement parfait. En plus, il est niveau 4. Donc, c'est mieux que. C'est mieux que le level 2. On va lui faire vif pour pas le one shot. Donc, hop, une petite charge. Vous inquiétez pas, on va le griffe. On va le capturer, on va le capturer. Ok, bon, maintenant on va utiliser une petite Pokéball. Wow, l'écran noir. Non, il est dans le sac, on va aller dans les balles, on va prendre une Pokéball, on va l'utiliser. Notre premier Pokémon. Ben voilà. Et celui-là il va rester dans un team parce que voilà, je connais à peu près ce qu'il faut faire. Les données de Etourmi sont ajoutées au Pokédex. C'est génial. Donner un surnom. Non, je ne donne pas de surnom à mes Pokémon. Est-ce que c'est mes premiers combats? Oui, voilà. Nous arrivons dans les premiers combats. Tu es un dresseur et moi aussi. Nos regards sont croisés. Nous devons nous combattre maintenant. C'est parti, combattons-le. Il envoie un étourmis. Bah en vrai ça va le faire. Hein. On va utiliser Flamèche. J'ai l'impression que Pokémon Platine est quand même pas mal chaud. Je vois ça. Ok, il charge. Bon, en vrai, ça va. On va lui mettre de la griffe et ça suffit. Ok, critique. Waouh, mais c'est quoi ce jeu? Les tourmis ennemis KO et Slam gagne 60 points d'XP. Ce qui me passe le 8. Je pense qu'entre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'irai un peu maxer Wistikram. Parce que j'ai l'impression qu'on faut. Voilà. En plus, nous sommes à 20 minutes de vidéo, mesdames et messieurs. Donc j'espère que cela vous aura plu. Alors pourquoi c'est marqué 11 minutes là-dessus? C'est parce que j'ai fait 2 records. Parce que j'ai eu un problème, donc j'ai fait 2 records. Donc en tout, on est à 11 minutes. Donc entre cet épisode-là et l'épisode prochain, il y aura Instagram level 10 et Etourmi level à peu près ouais, 9-10. Comme ça, voilà. Ils seront bien. Et on continuera notre aventure. Donc, l'étape chiante, on va dire, est passée. Donc, nous nous retrouvons mercredi pour l'épisode 3. Lâchez pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Et ciao tout le monde.